Bien, bonjour. Moi, mon nom, c'est Mélanie Valade. Je suis infirmière enseignante ici au Collège Édouard-Montpetit depuis maintenant, mon Dieu, septembre 2002. Je m'étais présentée pour un remplacement d'une durée d'environ 3 semaines. Puis finalement, bien, je suis jamais retournée dans le milieu hospitalier. Travailler auprès des jeunes, c'est un milieu qui est très, très, très stimulant. C'est pas difficile pour nous puisqu'on enseigne ce qu'on aime. Nécessairement, si on est infirmière, on fait ce métier-là parce qu'on aime ça. Maintenant, quand on l'enseigne, c'est encore plus valorisant parce qu'on transmet encore plus notre amour de la profession. Agir comme enseignante à Édouard-Montpetit, ça nous ouvre les portes sur plein d'autres choses. Maintenant, je suis rendue à la coordination départementale. On a la possibilité d'œuvrer dans plusieurs instances, de participer à la vie du collège. Au département, on a beaucoup d'échanges, beaucoup de communications qui se font. Puis, je veux dire, nos collègues de travail, c'est très, très important. Moi, ce que j'ai trouvé le plus valorisant en arrivant ici à Édouard-Montpetit, ça a été justement ce sentiment d'appartenance-là. Quand j'ai choisi finalement de conserver mon emploi ici à Édouard-Montpetit, c'est que je voyais toutes les possibilités qu'il y avait au niveau de l'harmonisation de la vie familiale et de la vie professionnelle. On profite un peu du calendrier scolaire, donc on a les intercessions pour lesquelles on est à la maison, puis même chose pendant les vacances estivales. Organiser un petit peu plus mes horaires de façon à ce que je puisse être présente avec mes enfants la fin de semaine, les soirs. Alors, ça a été pour moi l'opportunité d'avoir mes deux enfants, donc qui ont fréquenté le milieu du CPE affilié à Édouard Montpetit, donc qui s'appelle Mon Petit Édouard. Les personnes qui sont là, c'est des personnes de confiance. Quand tu as un choix à faire, parfois tu vas choisir la qualité de vie versus le salaire. En tout cas, moi, c'est le choix que j'ai fait, puis je suis en suis très heureuse. Je regrette pas du tout mon choix là aujourd'hui, pas du tout.